Bonjour les amis, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner un secret de réussite et de confiance en soi. Un secret qui est certainement le secret le plus puissant que j'ai eu de mon mentor. Un secret que je vais vous révéler. Un secret qu'il faut absolument faire à tout prix si vous voulez avoir de la réussite et de la confiance en vous dans tout ce que vous faites. Alors, je ne vais pas vous le révéler de suite parce que je n'entends pas votre désir ardent de me demander ce secret. Je ne révèle jamais des choses lorsque les gens n'ont pas le désir d'apprendre des choses. Parce que quand on donne des choses comme ça, des secrets ou autre, ben, ça fait partie du lot commun. Voilà, j'ai appris quelque chose, oh ben, je le sais, etc. Et tout. Il y a un processus de maturation quand vous travaillez avec un mentor qui attend que vous soyez dans un désir ardent d'évoluer, dans un désir ardent de progresser et de dire « mais je veux apprendre quelque chose pour passer à un niveau supérieur, je veux apprendre quelque chose, un secret qui va me permettre de passer à une autre dimension ». Donc je vais attendre un petit peu que le désir monte, que vous ayez envie d'en savoir plus, parce que sinon ça va retomber comme un soufflet. Et puis surtout que vous ayez la persévérance d'entretenir ce désir. Parce que s'il n'y a pas de persévérance, vous n'avez pas le deuxième moteur important, comme disait Napoléon Hill, le désir ardent et la persévérance d'attendre et la persévérance d'aller jusqu'au bout. Voilà, alors ce secret qui est pour moi le plus puissant que j'ai appris, il est en fait très très simple. C'est que tous les soirs, avant de vous coucher, vous allez noter tout ce que vous allez faire le lendemain. Attention, c'est pas ce que vous voudriez faire, c'est tout ce que vous vous engagez à faire. Tout ce sur quoi vous êtes déterminé à passer le temps et l'énergie pour finir la tâche que vous fixez. Vous notez sur un cahier tout ce que vous vous engagez à faire pour le lendemain. Et le lendemain soir, vous rayez la liste de ce que vous avez fait. Plus vous allez réaliser ceci, plus vous allez rayer tous les éléments de cette liste, plus vous allez déterminer, vous allez développer une certitude en vous. Vous allez créer un mécanisme de la confiance. Vous allez créer une estime de vous. Vous créez, on va dire, des connexions neuronales du dépassement de vous, de la certitude et de la confiance en vous. Et ceci va devenir un cercle vertueux que vous allez perpétuer, qui va vous donner une confiance en vous, car dès que vous allez penser à quelque chose, ben vous allez mettre immédiatement, parce que vous avez créé le schéma mental, toute l'énergie, toute la détermination pour aller jusqu'au bout, pour que la soirée ne soit finie du lendemain que lorsque vous aurez rayé tous les éléments de votre liste. Parce que si vous ne faites pas comme ça, vous allez faire partie des 95% des gens que je connais qui sont des champions du monde de la rêverie. Alors le soir, en se couchant, ou au téléphone, ils vous appellent, ils ont l'idée de génie, ils ont « waouh !» vu la Vierge, pratiquement, qui leur a parlé, ils ont ressenti en méditation, ou ils ont une vision de ce qu'ils allaient faire. Le problème qu'il y a, c'est que 3 jours plus tard, rien n'a été mis en place. Parce que durant la nuit, tout ça qui était dans la pensée est parti, remplacé par d'autres pensées. Ça s'est évaporé, ça s'est pas densifié dans la matière. Et le lendemain, ben, des fois ils sont pas bien pour d'autres raisons, ils ont des problèmes pas résolus, etc. Et ce qui fait que ils sont champions du monde le soir et le matin, zéro. Et plus ils pratiquent ce genre de dissociation. Ah, le soir, j'ai plein de rêves, je suis excité par la journée, je vois comment je vais changer ma vie, je vais voir comment je vais faire ça. Et moins ils avancent dans la journée, plus ils créent une dissociation entre ce qu'ils veulent et ce qu'ils réalisent. Et le subconscient est conscient
que chaque fois qu'ils font quelque chose, ils ne vont pas jusqu'au bout. Donc même si un jour ils avaient quelque chose d'extraordinairement grand à faire, le subconscient a noté que chaque fois qu'ils avaient une idée, de toute façon ils n'allaient pas jusqu'au bout. Donc c'est déjà parti à la corbeille avant de démarrer. Donc il faut créer une connexion de la réussite, il faut créer une connexion de la certitude, il faut créer une connexion de la réactivité, de l'engagement, mais surtout être déterminé. Déterminé à mettre tout en œuvre pour réussir. Comme je dis souvent dans mes coachings, il y a ceux qui veulent arrêter de fumer, il y a ceux qui veulent réussir ça dans la vie. Mais ils le veulent quand? Ils le veulent comment? Alors j'ai envie d'arrêter de fumer ou j'ai envie d'atteindre tel objectif. L'envie, c'est un peu plus fort que de vouloir, parce que là, c'est le cerveau limbique qui se met en route. Je désire, là on passe à un niveau supérieur, je désire obtenir ceci, je désire arrêter de fumer. Vous voyez que déjà dans la sémantique, dans la vibration du mot, c'est beaucoup plus puissant. Et puis il y a ceux qui sont déterminés à agir pour atteindre leur objectif. Ben ceux-là, ça c'est déjà des champions du monde. C'est déjà des gens qui, quel que soit le domaine, quelle que soit l'activité, vont réussir. Parce que dès qu'ils ont pris la décision, avant même de démarrer le plan d'action, leur subconscient sait qu'ils ont décidé, ils iront jusqu'au bout, ils mettront les moyens, ils s'engageront, ils mettront leur temps, leur énergie, leur argent, leur pensée, leur focus pour atteindre l'objectif jusqu'à ce qu'il soit atteint avec un désir ardent, une persévérance et une foi en eux. Alors j'espère que vous allez vous acheter très vite un cahier. Alors pas un cahier de rêve, comme je vois dans des vidéos de développement personnel sur YouTube, pas un cahier de rêve, un cahier d'engagement de résolution à tenir. Et c'est comme ça que vous allez passer à un autre niveau dans votre vie. C'était aujourd'hui le secret le plus puissant que j'ai appris, et c'est ce qui fait la différence entre les hommes qui réussissent et ceux qui rêvent de réussir. Alors est-ce que vous voulez vivre vos rêves ou est-ce que vous voulez continuer à rêver votre vie? Bye bye. Alors Olivier, je tiens à te remercier de tout mon cœur. Tu nous as appris pas mal de choses, beaucoup de choses pendant cette semaine, et ça va nous servir durant toute notre vie, dans notre métier ou dans notre vie d'ailleurs. Et mis à part l'hypnose, on a vu d'autres points forts comme la neuro... machin... Bon, la neuroscience, on va dire, en règle générale, donc les neurotransmetteurs, tout ça, c'était très intéressant et j'encourage vraiment les gens à venir à tes séances. Voilà. Je te remercie encore beaucoup et à bientôt. Je n'ai qu'une chose à dire, absolument extraordinaire. Il y a différentes formations qui existent. Le plus dur, effectivement, c'est de trouver la formation, mais là, c'est the formation.